Et bonjour à tous, bonjour Internet, ici Casamania, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien les amis, je voulais tester en vidéo sur YouTube en gameplay Project Iras. Alors je sais pas si vous connaissez ce titre, c'est un espèce de petit simulateur de gratte-ciel qui est sorti en 2016 déjà sur Steam et qui a toujours d'excellentes notes ce titre. Alors je pense qu'il doit être très addictif, c'est la première fois que je le lance pour pas vous mentir, hein, donc je ne connais absolument pas le titre. Je sais qu'il est sur, enfin je crois savoir qu'il est aussi sur mobile. Son prix de base c'est 20€, donc il est souvent en promo, notamment sur Instant Gaming, il est dans les 5€. Donc si jamais ça, après cette vidéo ça vous tente, je vous mets bien évidemment le lien vers le jeu. Alors on va se lancer un petit tuto quand même, avant de se lancer des choses sérieuses pour voir comment ça fonctionne. Donc on a divers tutoriels qu'on va pouvoir se lancer, mais moi ce que j'ai vu en lançant le titre, c'est notamment, c'est ça, ça j'adore. Le truc mode, alors le mode, ce qui est pas mal les modes, c'est qu'avec le workshop de Steam, il y a plein de modes différents qu'on peut télécharger et installer, ce qui fait que ça rallonge considérablement la durée de vie de ce titre, Project Iras. Allez, sans plus tarder, on va se faire la petite tuto construction, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ils vont nous expliquer comment on joue à ce jeu. Donc nous, on incarne bien évidemment l'architecte qui va construire son premier building, et vous avez le superviseur qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Donc avec les touches ZQSD, on va pouvoir bouger la caméra, très bien, zoomer, dézoomer, très bien. Et il veut qu'on construise le premier bureau de location au niveau de l'espace vide à l'étage supérieur. Alors je pense qu'il parle de ça, c'est ça, très bien. Donc tout d'abord, nous allons ajouter un nouvel espace de bureau vide. Allouer de l'espace pour des locataires de bureau. Ok, un petit bureau. On va le mettre là. Boum! Et ça c'est fait. Faites un clic droit pour quitter le mode, c'est bon, ok. Vous voyez des codifications au-dessus du bureau, ça signifie que vous avez une place libre et que nous devrions trouver un locataire pour l'occuper. Cliquez sur bureau. Cherchez des locataires pour cet espace. Bureau d'assurance qui sont dispo. Et ben on va faire louer à un bureau d'assurance. Et ensuite, plusieurs locataires ont été postulés. Passez les souris pour voir un petit peu le loyer qu'ils veulent payer. Donc on a Novak et Als Incorporation. Alors c'est là que c'est intéressant. Ils payent 115 par jour. Ça me coûte 100 à moi de les installer. Ils ont besoin d'une ligne électrique. Ils souhaitent des services de copie. Donc copie, photocopieuse, j'imagine que j'ai pas encore ici. Ouais, ils veulent tous la même chose, donc on prend celui qui paye le plus, hein, tout simplement. Ce sera Novak et Als Incorporation. Compris, chef. Nos équipes d'ouvriers en bâtiment vont construire le bordel. Alors, mais les ouvriers, c'est ceux-là, non? Je sais pas. Donc on peut accélérer. Ah oui, c'est ceux-là. Ils y vont. On peut accélérer le jeu. Ok, c'est parti. Donc j'accélère. Hop, c'est fait. Je reviens en vitesse normale. Donc les grands classiques, j'ai envie de vous dire, de la gestion. Ah, donc là, c'est ce que j'ai, c'est ça? Ça veut dire qu'ici, j'ai un service électrique, téléphone, télé, c'est ça que ça veut dire? À cet étage? Ah, super. Vous pouvez mettre le jeu en pause. Hop, c'est fait. Ou appuyer sur espace, ça met pause, ça met normal. Ok, très bien, je continue. Alors, maintenant que nous avons rempli cet espace, nous devons commencer à agrandir les meubles, n'est-ce pas? Nous devons construire plus de surface au sol. Cliquez sur construire. Ajouter plus de dalles de sol. Ok. Voilà, des dalles de sol. Oh, j'ai plein d'informations. Donc je vais nous permettre de faire un clic droit pour quitter le mode construction. Donc là, les mecs, je peux brancher l'électricité, des lignes téléphoniques et des services publics. Ok, très bien. Oh la vache, ça a l'air bien. Ouh, ça a l'air complet, j'adore. Alors, vous voyez maintenant la vue des services publics de votre immeuble. Cliquez maintenant sur le bouton placement électricité. Passer des câbles électriques. Nous allons donc faire. Quand c'est à gauche, c'est connecter les 4 dalles une par une. Voilà, c'est bon, ça suffit, c'est connecté. Bien joué, c'est branché, faites un clic droit pour revenir. Nous ouvrions, nous vont mettre les dalles et mettre l'électricité. Ok, super, nous allons donc, même pas besoin d'accélérer, c'est parfait. Nous ouvrions ajouter un restaurant. Vos locataires apprécieront sans doute un bon endroit où ils servent le déjeuner. Très bien, donc on va faire ça. On va faire restaurant. Ça me coûte rien d'allouer de l'espace de toute manière. On va faire un endroit pour se restaurer. Et on va trouver un locataire. Ça sera air de restauration. Il y a un seul client, c'est Sushi Facile Frais, qui paye 120, qui a juste besoin d'électricité. Voilà, ça c'est fait. Nos ouvriers sont en train de faire ça. Super. Ce bâtiment n'est pas très grand. Nous allons donc ajouter un nouveau sol. Avant d'y connecter
les ascenseurs et les services publics. Oh la vache, je vais d'abord cliquer sur le bouton construction. Ouais. Dalle de sol, très bien, ça j'ai compris. Donc on a, là c'est le deuxième. Hein. Ok, c'est le deuxième que je suis en train de faire, super. Donc là ils vont mettre un deuxième étage. Nos ouvriers ne peuvent pas y accéder. Ah oui d'accord, parce que j'ai pas d'ascenseur. Ah putain, donc on va faire un... Ah ça coûte cher et... 50 d'entretien par jour. Merde. Allez, c'est pas grave, on fait un ascenseur, c'est parti, les mecs ils y vont. Donc ça c'est mon fric. Ça c'est notre niveau de prestige. Alors je vois qu'il y a un nombre d'employés de résidence, c'est-à-dire qu'on peut faire des immeubles, j'imagine, pas que avec des bureaux. Tant mieux. Employés et résidents de notre immeuble. Visiteurs, le nombre de visiteurs de la ville venus utiliser les services. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est ceux qui résident, qui travaillent, c'est ceux qui viennent ici, chez moi, à mon immeuble. Donc je peux faire un prêt à la banque ici. Alors, chaque étage a également besoin de services publics. Afin de raccorder un nouvel étage, vous devez d'abord placer une armoire utilitaire. Ok. Brancher une armoire de câblage. Ici. Et voilà. Et là, je fais de l'électricité jusqu'au bout. Oh putain, je suis trop balèze. Je suis trop balèze. Câble électrique, téléphone. Là, comment je sais que j'ai mon téléphone ou pas? Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est bon. Ou je suis obligé de faire... TV câblé, eau, gaz. Ah, il n'y a pas d'eau. Putain, c'est triste. Ouais, service public. Câble électrique, ouais, c'est bon, c'est fait. Tout est prêt, une plate de fer, clé droit, ok. Bien joué, vous connaissez maintenant la base de construction de tour. Il vous reste beaucoup à apprendre. Ok, super, c'est facile. Tutoriel terminé. Bon, très bien, on va faire le truc locataire pour apprendre à gérer ce locataire. Qui êtes-vous? Ah, vous êtes le nouveau propriétaire, je vous prie de m'excuser, personne ne m'a dit que vous étiez ici, une lettre des codes est ici, j'ai trouvé un instant, je dois finir cet appel, et pouvez-vous m'aider? Donc, par quoi commencer? Ce locataire est plutôt mécontent, il est apparemment besoin d'une connexion téléphonique dans son bureau, connectez-le au réseau de téléphone. Bon, ça, on a déjà compris comment ça fonctionnait, téléphone, j'ai bien un truc téléphonique, on va jusqu'au bout, tant qu'à faire, ça sera fait, allez, je crains du fric, c'est pas grave. Ok. Nous avons connecté la ligne téléphonique à l'office, mais elle n'est pas déconnectée à l'extérieur. Nous avons besoin d'au moins un tableau de distribution téléphonique dans l'immeuble. Ah merde. Ah c'est nul. Les connecteurs de service doivent être installés au sous-sol. Cet immeuble a beaucoup de place. Ok, d'accord, ah ouais, d'accord. Donc j'ai le réseau téléphonique, mais il n'est pas relié au reste de la ville. C'est nul. Donc c'est ça. Ajoute 10 connexions téléphoniques à votre immeuble. Mets ça là. Ah ouais, et donc ça brille. Oh putain, ça me suis pas bien fait. Donc ça brille quand c'est bien pris en charge, c'est ça? Merde, j'arrive pas à glisser ma souris sans quitter le mode. Donc là j'ai une, deux. J'ai deux connexions, c'est ça, qui sont pris en compte? Trois? Bien, parfait. Jusqu'à 10. Ok. Donc là les locataires sont plutôt contents. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? Alors ça va être un filtre pour voir les niveaux de bonheur. Ah. La satisfaction. Alors on voit que celui-là il fait la gueule. Pourquoi? Pourquoi celui-ci fait la gueule? On clique dessus. Bruce est un expert comptable qui est maintenant sur le locataire pour dire pourquoi il est mécontent. Ouais bah je clique hein. Il me dit pas pourquoi. Ok. Le locataire a besoin d'un service d'eau embouteillé qui n'existe pas dans notre immeuble. Ah. Locataire envisage de déménager. Nous sommes soiffés. On a besoin d'eau. Ah ok d'accord. Donc ils sont exigeants, c'est normal. On va faire donc une installation de service d'eau. Construire les services de soutien d'entreprise. Service de courrier. C'est ça. Service d'eau embouteillé. Ah vache. Ah ouais d'accord, donc c'est de l'eau qui est stockée. C'est même pas. Et ils peuvent pas se contenter d'un putain de... D'un lavabo, d'un évier comme tout le monde. Ils leur foutent leur bouteille tous les jours. Ouais. Alors, on peut cliquer sur notre argent et on peut voir un petit peu notre budget. Argent début de journée, transactions récentes, et nos dépenses. Ok, super. Le cash flow quotidien. Intéressant. L'argent provient des locataires qui paient leur loyer. Cliquez sur n'importe quel bureau ou restaurant pour en savoir plus. Alors, on va cliquer là-dessus.
Le montant du loyer quotidien à droite vous indique leur loyer quotidien. Il peut être augmenté ou réduit, ce qui en a un impact sur vos profits et sur leur bonheur. Comptoir à sandwich, le hot dog Boston Grill. Le loyer est moins élevé que prévu, il est content. Nous n'avons aucun bénéfice hier, il y a eu trop de clients, trop de concurrence. Nous gagnons des clients, ok, notre loyer, les horaires de travail, le nombre d'employés, super. Revenu du jour, revenu d'hier, nous avons 6 clients, ok, super. Intéressant. Tutoriel terminé, facile, efficace, super. Alors prestige, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour, content de vous revoir. Le locataire semble être très heureux et ils payent leur loyer à temps. C'est bien. Le prestige est ce qui sépare les immeubles célèbres des immeubles médiocres. Plus il y a de prestige et plus il y aura des locataires haut de gamme. Ok, vous n'avez actuellement aucun point de prestige. C'est la petite étoile qui est là, on a vu ça tout à l'heure. Pour augmenter votre prestige et augmenter votre population, il faut que les gens apprennent que l'immeuble existe. Il faut faire de la pub, faire quoi? Donc on va essayer de passer à 20 locataires. On va ajouter deux petits bureaux supplémentaires à votre immeuble. Ok, super. Alors, bureau. Petit bureau. Où est-ce qu'on va se mettre ça? Où est-ce qu'on va se... Ça, c'est un truc vide, c'est quoi ça? Ah, je peux cliquer dessus, mais... Il me dit pas parce que... J'ai ça là devant moi. Bon, c'est pas grave. Donc deux petits bureaux, elle a dit la dame. Un petit bureau. Deux petits bureaux. Et on va donc prendre deux assureurs. Centrale Assurance. Et Pinacle Assurance. Ok. On va augmenter un peu la vitesse. Les mecs qui construisent les bureaux. Hop, hop, c'est bien. Donc là, j'ai gagné un point de prestige. Super. Et si je passe ma souris dessus, je peux voir un petit peu comment je gagne du prestige. Ok. Œuvre d'art, contrat, etc., etc. Super. Alors, plus on gagne de prestige et plus on débloque de nouvelles fonctionnalités. Et on peut augmenter son prestige comment aussi? En redécorant notre bordel. Avec des consultants. Le bureau d'un décorateur d'intérieur. Ok, super. Donc on va mettre le bureau d'un décorateur d'intérieur qui va nous permettre d'optimiser un petit peu tout ça. Ok, donc j'ai un compteur d'influence qui est là. L'influence provient de vos résidents et de vos certains bureaux. Vous avez actuellement 10 d'influence. Lorsque vous accumulez 10 d'influence, vous pourrez utiliser pour améliorer votre immeuble. Oh, super. Donc là, par exemple, mon consultant il me dit qu'il faudrait que je mette des petites œuvres d'art avec 10 influences. C'est parfait. C'est installé. Merci, monsieur le consultant. Ajoutez des œuvres. Oh, des petites peintures. Oh, c'est cool. Voilà, on va essayer ça, la petite peinture. Là. Je mets ça où je veux. Ah, d'accord. C'est une saloperie que je cale quelque part. Mais je mets ça où, moi? Est-ce que je veux bien? Je peux pas mettre ça partout. Dans les bureaux, je peux pas, c'est pas chez moi. L'art coûte cher, mais je suis sûr que nos locataires apprécieront ce que j'entends. L'une des petites œuvres d'art placée là dans votre immeuble, par exemple dans le hall. Hall. C'est où le hall? Le hall, c'est ça, le hall. Alors on va se faire un petit truc, tu vois, genre une merde en. Un vase en céramique chinoise, ça coûte cher, ouais. On va se mettre une petite merde là, comme ça. Hop là, boum, qu'est-ce qu'il y a? Allez, j'ai gagné encore plus de prestige. Donc les œuvres d'art, les décorateurs, les consultants, de l'influence et tout ça. Tutoriel terminé. Super facile. Délabrement. Alors, pardon, votre immeuble, il fait la gueule. Ah oui, c'est pas beau ça. Je suis nouveau superviseur d'entretien. J'aurais voulu que vous puissiez venir à cet immeuble au dernier moment. C'est la pagaille totale. Très bien. Apparemment, le précédent responsable ne s'est jamais occupé de l'entretien. C'est sale, c'est dégueulasse. Nous avons besoin de faire quelque chose. Alors, on peut réparer cet endroit. On clique sur l'appart, on fait réparer, ça rénove. On va accélérer le temps. Hop, hop là, il rénove. Et là, c'est déjà moins moche, super. Nous avons beaucoup d'argent. Donc, commencez en cliquant sur le bureau d'entretien. Ok. Ok, super. Vous pouvez commander la rénovation de plusieurs unités. Rénover un total de... Bon, on va tout rénover. Les relations sont prévues, vous pourrez voir les équipes d'entretien, une petite somme, mais au moins c'est fait.
Nous apportons besoin d'une dernière chose, des poubelles. Les appartements et les restaurants ont tendance à produire énormément de déchets et de matières recyclables. Ok, alors, comment on fait des poubelles? Ah ouais, il faut un local poubelle, la vache. Ordure. Poubelle. Ah ouais, local poubelle. Hop là, bah ouais, bah oui, si on y pense pas aussi. C'est le bordel, et puis après, il y a des rats. Les poubelles doivent être vidées et envoyées vers un point central de collecte. Oh la vache. Donc au sous-sol, je prends ça, ordure, poubelle, une salle de collecte de poubelles. Oh la vache. Donc là, j'aurai les gens qui pourront venir collecter mes poubelles. Tutoriel terminé. Ok, super. Bon, en fait, c'est intéressant parce que si tu sais pas, t'es comme un con. Et enfin, découvrir l'interface. On va regarder ça tout de suite. Alors. Menu construction. Contrôle de vitesse, ça c'est bon, j'ai compris. La fenêtre d'argent, j'ai compris. Le fait de prêt pour la banque, ok, j'ai compris. Le compteur de prestige, ça je connais. La population, c'est bon. Le compteur de buzz, ça je connais pas ça. Le buzz est créé lorsque par les visiteurs heureux. Lorsque vous en aurez suffisamment, vous pourrez l'utiliser pour lancer une campagne médiatique. Ok, d'accord. L'influence, ça on connaît. Une gamme de boutons construction en tout genre, ça c'est bon. Ah, ça c'est quoi ça? Mérite d'être. Tout d'abord, ce bouton vous permet d'examiner les contrats que nous avons signés avec la ville. Besoin de plus de personnes, la ville plus d'habitants, ce quartier, preuve de concept, ok, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Et enfin, nous avons ça. Elle prend une entreprise du secteur, utilise des machines de traitement de données électroniques, AD 360, machine à tabulation de données et de pointe. Ça veut dire quoi ça? Bonjour, je suis le système, machin, que puis-je pour vous? Ah, attaché du budget. Oh, c'est vachement bien, infrastructure, donc des chiffres, j'adore ça, moi, quand il y a des chiffres partout. Ok, super. Donc là, on a vu, c'était les filtres. Brio, odeur, crasse, vue, esthétique. Ok, super. Je peux donc désactiver. Les services publics. Ah oui, bah oui, électricité. Ok, conduite d'eau, conduite de gaz, etc. Et enfin, la vie de construction d'immeubles. Ah ouais, ok. Bien. Enfin, le bouton, là. Bah oui, les options du jeu. Et la sauvegarde et tout. Plutôt pas mal comme interface. Bon, tutoriel terminé, on va se faire un jeu. Un jeu simple. On va s'installer, ouais, au 505 Lourdes Flex Short Drive. On va faire ça en moyen. J'ai pas une tata. Commencez avec un peu d'argent, votre disposition, l'économie est stable, mais les coûts seront plus élevés, les revenus plus faibles comme au standard. Commencez sur un terrain vide de taille normale, et là, facile. Commencez avec une bonne quantité d'argent, l'économie solide, les locataires sont faciles à trouver. Commencez sur... Ouah, plutôt faire facile du coup, on n'a pas le besoin de la vidéo. Taille standard. Allez. Donc voici. Voici à quoi ça ressemble. J'ai des contrats. Preuve de concept. Donc ça c'est fait, contrat signé. Le département de veut encourager les petits propriétaires à améliorer leur immeuble. Atteignez les revenus de location de 1000 au quotidien. Ok, pour avoir une bourse. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, lui? Veut s'assurer que l'assiette fiscale commerciale de la ville est diversifiée, ne prend qu'un seul secteur, afin qu'elle ne soit pas trop vulnérable dans lequel... Installer 16 petits bureaux. Ouais. Ça fera des locataires, moi. 12 studios. Ça, je signe. Ah ouais, je peux en signer que un à chaque fois. Ok. Voilà. Donc, le but... Ça va être... Ça c'est un escalier ça, d'accord. Donc le mec... Le but va être de mettre des studios. Bon, on va construire. On va construire les mecs. On va construire. Alors moi déjà un truc qui me perturbe c'est qu'il n'y a pas assez de... Je peux faire un... Comment je fais un hall d'immeuble? Il est où? L'escalier, c'est moins cher. L'entrée elle est où? Est-ce que je peux pas faire une entrée, un vrai, tu vois, ouais. Un hall. Un hall de deux étages avec d'élégants. Oh bah oui, je vais me faire un hall de deux étages, monsieur. Hop. On va commencer comme ça. On va faire construire les types, là. Vous me construisez le bordel, là? Ah bah non, ils peuvent pas y aller. Bah oui, bah oui, je suis désolé, bah oui, ils peuvent pas y aller. Allez, faut y aller.
Ah oui, c'est pas construit, ils peuvent pas y aller. Ah! Je suis comme un con. Je suis obligé de foutre un ascenseur là. Un escalier. Allez, go les mecs. Hop, hop. Ils sont disparus où? Le personnage de Batman ne peut pas se rendre là, il doit aller. Ah si, ils sont en train de faire... Ok, c'est bon. On va y arriver. Alors, j'ai des escaliers, mais je vais faire un hall d'immeuble, bordel de chier. Je peux faire un hall. Un élégant hall. Allez. Non, quand j'annule. Je sais pas ce que je voulais faire, Oh, c'est con, mon truc, là, non? C'est con, c'est encore de l'argent foutu en l'air pour rien, ça, non? Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est calculé. On va se remettre des dalles de sol. Alors, j'aime bien avoir des trucs... Là, je vois grand. Là, quasi vois grand. Là, le mec, tu vois... Tu connais Trump? Eh ben moi, c'est mieux que Trump. Donc, on va faire... On va faire... Alors, il va falloir être malin. On va faire des installations, des petits studios. Des minuscules studios. Ah mais c'est nul là, mon truc là. Ah, ils peuvent pas y aller, les mecs. Ah merde. Ah ouais, je suis con moi aussi. Bon, on va faire un ascenseur. Ah, ils sont bloqués comme des glands. Ah ouais, mais case aussi, tu chies dans la colle là. Et je peux pas détruire ça là? Je peux sûrement détruire ça, non? Nanana. Ou alors, au pire, de toute façon. Là, j'ai un hall. C'est ça l'intérêt d'un hall d'immeuble, c'est d'avoir un ascenseur juste à côté, non? Allez, regardez. Hop, ascenseur. Hop. Donc là, en gros, j'ai un escalier en trop qui ne sert à rien. Mais il faut toujours avoir quand même un escalier de secours. On est d'accord, non? Si t'as pas d'escalier de secours, bah, c'est dangereux. Et j'en meurs. Et alors, j'ai ça qui me bloque, là, par contre. Là, j'ai ça qui me bloque. Là, il va falloir un escalier à un endroit, quand même. Comme ça. Il est quand même grave mal branlé, mon truc, là, sérieux, non? Ah non, en fait, tu peux passer par là. Tu peux passer par le... Ah, merde. Attends. Il me sert à rien, mon escalier. En fait... Comment je désalloue un endroit rasé? Allez, ça, ta gueule, plus besoin. Ça, je rase. Ça, l'escalier de secours, on garde. L'escalier de secours, on garde. Ouais, en fait, tu peux passer par les trucs électriques, là. Je faisais tout un stress, mais... Bon, c'est pas forcément super beau, mais ça passe. Bon, alors, on va faire trouver des gens. Résumé du quotidien, on a plus de sous. Super. C'est pas grave. On va se mettre des studios. Pourquoi je peux mettre un studio là? Pourquoi je peux mettre un studio ici là? Pourquoi ça marche pas? Placement valide au-dessus du rez-de-chaussée. Au-dessus du rez-de-chaussée. Ah ouais, d'accord, tu peux pas mettre au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est d'autres services. Hein, appartement vide, on va prendre donc un locataire. C'est parti. Studio de base. Allez, boum. On va faire payer, mec. Là, va falloir payer. Bon, j'ai l'impression que je suis très très mal parti. Mon truc, il était tout moche, mais c'est pas grave. Allez, on peut mettre un autre studio là. Hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Nous ne pouvons pas vivre ici sans ligne électrique, nous pouvons vivre ici sans eau. Ah, je sens que vous êtes des casse-couilles, les amis. Ligne électrique. Ah, j'ai pas pensé. J'ai effectivement pas pensé à vous mettre une ligne électrique. Ah là 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 là, ah là là. Case.
J'arrive. J'arrive. On va vous mettre ça. On va vous mettre une électrique là. J'ai les gars qui vont mettre un petit compteur là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Pas d'angoisse. On y arrive. Hop, hop. Alors, par contre, tu vois, avant, je vais pas me faire avoir deux fois. Avant de mettre une ligne. Ah ouais, ok, il faut que j'avance de deux encore, tu vois. De 1, 2. Allez, on y va, les mecs, on accélère. Dis donc, on arrête de se branler. Hein? On dit? Hop, hop. Ils sont pas satisfaits. Bah oui, il y a pas d'eau, je sais. Ils ont qu'à faire sans eau, hein. C'est pas grave, on va y arriver. Là, j'ai la place pour un troisième truc. Et normalement, j'ai la place pour mettre des... trucs à électricité, service. Électricité. Armoire de câblage. Hop, hop. Et là... Ah, en fait, puis les malins, là. Hein? Hein? Voilà, hein? Voilà. Elle est là, l'électricité. Dis donc. Bon, il y a pas d'électricité, il y a l'électricité, mais il n'y a pas d'eau. Donc maintenant il faut faire de l'eau. Donc les services d'eau. Eau. Salle des plomberies. Utilisée pour acheminer les conduits d'eau et de gaz entre les étages. Oui. Transformateur, j'en ai un. Il me faut un compteur d'eau qui ajoute 10 canalisations à notre immeuble. On va mettre ça là. Voilà. On va se faire un petit salle de plomberie. Allez, pas de place. Ok, c'est pas grave. On va reconstruire de la dalle. Comme ça, on va accélérer un petit peu. Et on va alors mettre de l'eau. Pas d'inquiétude. Je vois qu'ils sont inquiets. Je vois qu'ils sont inquiets, qu'ils sont énervés, les gens. Pas de problème. C'est la première fois que je construis. Soyez pas si exigeants avec moi. Salle de plomberie, salle de plomberie. Voilà, on va mettre des canalisations. Et là, ils sont toujours pas contents. Il arrive ou pas? Ok, on attend que les gens emménagent. Ah, pourquoi ils sont pas contents? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, ils sont contents. Ils ont l'air malheureux. Besoin d'une ligne électrique, a besoin d'un raccordement de conduite. C'est fait. Préfère les étages supérieurs. Valide. Souhaite avoir des poubelles. Ah! J'avais oublié ce détail. Les fameuses poubelles. Bon. Rappelez-moi où c'était. Service de poubelle. Ordure. Des poubelles. Et on va reconstruire encore un truc. Voilà. Voilà où ça nous mène tout ça. Donc service de poubelle à l'étage. On a dit que ça prenait quoi comme place? Ça prend deux rangs. Ça prend deux dalles. Et ben on va mettre deux dalles. Hop hop. Allez, on accélère. On va mettre des ordures. Je vois qu'ils sont pas contents. On fait tout pour eux, mais ils sont jamais contents. Service de poubelle. Donc il faut une salle de collecte. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bac de recyclage, on a rien à foutre du recyclage. Et un service de poubelle. Et bah ça sera là. À côté de la salle de pause et sous les escaliers. Voilà. Ok. Service de collecte de poubelle, c'est fait. Alors là, ils sont toujours pas contents. Ah bah voilà, ils ont plus besoin de rien. En fait, elle a toujours pas fini la construction, c'est pour ça. Voilà. Donc là, ils sont contents, non? Ils sont toujours pas contents. Hein. Ça monte un peu. On va accélérer jusqu'à demain, voir si ça change quelque chose. Là, j'ai quand même du service. Il y en a un qui s'installe. Est-ce qu'elle sera contente? Ou direct, elle est mécontente? Oh non, elle est contente. Donc, on attend la fin de journée.
Moi, je pense que là, on est pas mal. Il y a tous les services qui sont mis. N'y a pas de raison. Hop. Ils sont pas contents? Qu'est-ce que t'es pas content? Si seulement je pouvais avoir un café. Si seulement je pouvais avoir un café. Elle, elle est satisfaite, elle. Donc un café, est-ce qu'on se ferait pas une petite société qui vend du café? Qui vend du cava? Comme on dit. Je suis de plus en plus pauvre. C'est pas grave. Ils sont toujours pas contents. Comment on va pourquoi ils sont pas contents comme ça? Pourtant ils sont reliés de partout là. Ils ont l'électricité. Ils ont l'eau. Ils ont des poubelles. Il y a un service de collecte. Bon, on va mettre un petit service de type cava. Hein. Un petit stand. Petit resto, encore mieux, c'est parti. Alors, petit pain avenue, petit pain Rustein. Et ben, petit pain avenue. Hop, voilà, ça c'est fait. Titou, 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 titou. On va se faire petit pain avenue. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre genre des petits bureaux? On va faire un petit autre truc de nourriture tout petit. Voilà, genre kebab avenue. Un petit stand, sushi, ravioli, nouilles. Nouilles, thé et pâtisserie. Allez, thé et pâtisserie, hein. On n'est pas des tatas. Nous, on aime les bonnes choses. Et on va se mettre des bureaux. Petit bureau. Un, deux. Et là, j'ai deux trucs morts. Et ça fait chier. On va se mettre. Ouais, les assureurs, tu vois, j'aime bien, moi, l'assureur. Ils font pas de bruit, assurance galop. Et. Avec l'assurance. Alors, j'ai deux trucs morts. Est-ce que je peux pas les remplir avec quelque chose d'utile? Est-ce que je peux pas remplir mes deux trucs morts par des trucs utiles? Je pense que si. Ah, un bureau d'entretien répare les escalators en zone rampante. Hein, la partie de l'après. Ascenseur. Ça c'est la maintenance, on connaît. Une poubelle, ça on a déjà. Hein. On peut en mettre deux, c'est pas la peine. Une salle de collecte. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les locataires, ça. Ont besoin d'un bac de recyclage à leur étage. Ouais, faut toujours mettre ça au pire. Hein. Avec le truc de les bacs de recyclage, voilà, ici on va se faire une collecte de recyclage là. Hein. Ça prend un, ça peut servir un jour. Des portes. Des portes de sécurité. Stationnement. Oh la vache. Parking. Ah, du stockage. Des baies. Oh la vache. Bien. Un hall. Ok. C'est bon. Ah, on va peut-être essayer de faire un truc genre, tu vois, pour être sûr qu'ils aient bien tous l'électricité. Pareil pour l'eau. Faire en sorte qu'ils aient tous l'eau. Et la TV? Ah, ils ont pas la télé, les locataires. Ah non, tu peux pas vivre ici sans télé, c'est pas possible. On va leur mettre la télé. Bon, ils ont pas besoin de la télé, les autres, là. Faut pas déconner non plus. Bon, là, on n'est pas trop mal, je trouve, pour un début. Les services, c'est fait. On peut raser des structures. Alors, est-ce que j'ai des structures qui servent à rien? On est d'accord que ça sert à rien? Non? Hein? Voilà. Alors, comment je rase tout, définitivement? J'ai pas moyen de raser définitivement une structure. Ah si. Voilà. Ça servait à rien. Et voilà, j'ai un vrai hall d'immeuble avec un vrai ascenseur. Ah, par contre, j'ai pas d'ascenseur qui va en bas. Ah, j'ai oublié. Bon, on va leur mettre un escalier, c'est pas grave, ils vont marcher un petit peu les feignasses. Donc un escalier. Faut que ça aille sur un autre escalier, j'imagine. À l'instant, j'arrive, parce que là ils sont bloqués. Là, ils sont bloqués, les glands. Et là, ils sont même plus que bloqués, les pauvres. Bon, l'escalier, ça prend combien? Encore un. Voilà. Hop, hop. Excusez-moi, j'ai oublié l'escalier.
On va faire accélérer tout ça. Ah, c'est bon, là ils ont accès, donc là on a un petit escalier, tu vois, escalier de service qui permet de relier les services au reste de l'immeuble. Oh, je trouve que ça commence à être marrant. Là le gars, tu vois, le gars il a pigé le truc. Là on est pas mal, est-ce que j'ai des trucs, choses que je pourrais un petit peu optimiser? Là j'ai toujours deux espaces vides là, ah j'aime pas avoir de la vide. Du vide ça ne rapporte pas, le vide ça ne rapporte pas de sous, vous le savez très bien. Studio. Appartement d'une pièce avec balcon. Oh, mec, petit balcon. Qu'est-ce que c'est que ça? Client de l'hôtel. Bah, je sais pas d'hôtel, moi. Lieu d'événement. Casino. Oh, marquise. Je peux pas mettre un petit boui-boui, là? Non, c'est con. Magasin. Espace magasin. Ok, super. Enfin. Soutien d'entreprise. Demander au un service de courrier. Ramasse et livre des petits colis. Ah, fourniture de bureau, ça prend de place. Service de courrier, ça prend de place. Bricolage, ça... ok, d'accord, tu peux mettre plein de services à la con qui ne servent à rien. Super, donc faut continuer de toute façon, il n'y a pas de secret. Moi j'ai un contrat pour des studios, donc on va continuer à faire des studios. On n'en prend pas à la banque pour le moment, on a de quoi faire. Donc là c'est le hall d'immeuble. Est-ce que j'ai la place pour un studio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas la place. Par contre, je peux mettre un petit bureau là, je pense. Oui, je pense. Ascenseur. Alors, j'ai une question. C'est con. Mais le mec habite là. Pour aller chez lui, il traverse tout ça? Il passe. Non, il passe pas chez les autres. Il y a un espèce de couloir, j'imagine, derrière, en gros. Oui, hein. Oui, je pense. Hein. Parce que t'imagines sinon. L'arnaque, toi? Ah oui, faut pas que j'oublie de mettre les services divers et variés. Là, toi, il y a du bonheur là chez mes citoyens. Là, je le sens, ils sont contents. Là, je sens le bonheur chez eux. Hop là. Ah ouais, électricité, ok. Téléphone. Ah, il n'y a pas le téléphone. C'est con. Tu peux pas travailler sans téléphone. Tu peux pas vivre sans téléphone. Putain, je suis trop bon. Je suis trop généreux. Ça va me tuer. Ça va me perdre tout ça. Hein. D'être si généreux avec tous ces cons là. Du gaz. Quand même, hein. Pareil, hein, t'as pas de gaz, tu peux rien faire. CVC. Donc ça va être la clim. Ok, j'ai plus de sous. On va faire un emprunt. On emprunte. On va emprunter 5000. On va se remettre un petit service. De poubs. On va accélérer tout ça et normalement, en revenu, on devrait commencer, j'espère, à faire du fric. Alors, on va faire construire. Brouillez-vous les mecs. Toi, les locataires, ils sont contents. Je le sens, ils sont contents. Hop, on prend l'ascenseur. On travaille. Voilà. Je suis à moins 430 par jour. Large. Je suis large. Allez. N'oubliez pas que on doit construire encore 7 studios. 1. 2. 3. Donald Trump. Studio de base, loyer à 150. Hop. Hop, hop, et là, j'ai de la place pour un petit bureau. J'imagine, je pense. Oui, ou une petite bouffe, un truc sympa, quoi, un truc un peu cool. Allez, mec. Envoyez-vous. Alors, on était très mal parti, je trouve. En début de game, c'était pas chouette. Mais là, ça commence à être sympa, là. Un logement simple, donc il y a des gens qui vont. C'est prêt, on attend qu'il y ait des locataires qui débarquent.
Ah, satisfaction, raison d'en l'air malheureux, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a pas? Souhaite avoir des poubelles au même étage. Mais ça, j'ai les poubelles, tu les as là, oh. T'as accès quand même. Ouais, t'as accès. Je voudrais avoir un petit déjeuner, mais aucun restaurant ne sert de petit déjeuner. Il n'y a pas d'endroit où manger un petit déj. Sinon, je peux avoir un café. Donc, entre le café et le petit déj, est-ce qu'on pourrait pas essayer de se mettre un service de petit déj café? Café déj. Ouais, tu vois là, on peut même en caler deux. Non, 1, 2, 3, 0, 12. Bon, on se mettra un resto là. On se mettra un resto, puis un petit truc de collecte. Oh putain, je suis trop balèze. Regardez. Regardez le mec un petit peu ordure. Salle de collecte. Et resto. On va accélérer un petit peu tout ça. Hop, notre nouvel arrivant vient d'arriver. Bah, ça va être un petit resto. Un petit local resto, tu vois. Et donc, les mecs, ils veulent de quoi prendre des petits déj. Donc, on va installer un restauration. Magasin de donuts, c'est petit déj ça ou pas? Petit pain. Sert le déjeuner. Ah, sert le café le petit déj. Super donuts de Samuel, c'est ça qu'il me faut. Boum. Et avec ça, si on n'attire pas plein de monde, avec les donuts à Samy, franchement je comprends pas. Hop, félicitations, vous avez pris le contrat, preuve de concept, le paiement de la prime de 500 a été versé sur votre compte. Allez, allez, je perds du fric, mais c'est pas grave, on commence à faire des revenus quand même. Est-ce que j'ai d'autres contrats? J'ai des contrats. La ville a augmenté, plus d'habitants, donc il faut 50 dans un immeuble, ok. Croissance nulle, atteignez les revenus quotidiens de location de 3000 ou plus. Bon, ça se fait, c'est facile. 16 petits bureaux, c'est trop. Pouvez-vous les dépanner en ajoutant un endroit qui sert le petit déjeuner, un endroit qui sert le déjeuner et un endroit qui sert le café? Ça, c'est pour moi, ça. Ça, ça le fait, ça. Restant qui sert le petit déj, il va être fait un truc qui sert que du café. Oh, on va être bien, là. En variété, on va être bien. On va pouvoir donc commencer à s'agrandir encore, toujours. Agrandissons-nous toujours plus haut. C'est parti. Ascenseur. Là, les gens, ils sont heureux. Les gens, ils sont contents. Par contre, là, je commence, tu vois. Allez, c'est fait. Un peu de variété. 1500 balles en prime. Alors, café donut. Là, on va pouvoir se faire nos 3 studios. Ah, il y a mon Ikea. Chier. Par contre, ce qui me fait peur, tu vois, c'est que au bout d'un moment, ça, ça va plus supporter, ça. Production totale. Demande totale de 11. Ah ouais, toi, ça pompe, là. Là, ça commence à pomper, là. Il va falloir rajouter des services. Encore. Toujours. Électricité. Comment ça coûte, ça? Oh, ça coûte cher. Tant pis, hein, il faut, hein. De toute façon, si j'ai pas ce qu'il faut, ça bloque, hein. Électricité. Alors, téléphone. Ah bah oui, mais si téléphone, j'ai pas relié. Donc c'est beau mettre du téléphone, mais si c'est pas relié, ça marche pas. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. TV, ça fonctionne pas. Ah, et là, ça fonctionne. Ah, c'est vrai qu'il peut aller encore en bas. L'eau, c'est bon. Télé câblé, c'est bon. Du gaz. Ouais, après le reste. Ah, gaz, s'installer, mais j'ai rien pour le gaz. C'est nul. Donc là, dans l'idée, il faudrait construire par le bas une nouvelle structure pour en faire les installations diverses et variées, notamment en gaz. Est-ce que ça me manque? Et là, je commence à avoir un immeuble de type... Eh ben, de type... J'ai envie de vous dire... ça de la gueule. Hop là. Alors, qui est chef? Quel est chef? Hop, un tableau. Téléphone, télé. Au gaz, c'est là. Hop là, il n'y a plus qu'à. Électricité. Boum. Téléphone. Pour tous.
Et là j'ai plus de fric. Et là j'ai plus de fric, j'ai encore un prêt possible. On va prendre 2005. On va finir nos installations. C'est vrai que j'ai fait un petit peu des folies là. Là j'ai fait un petit peu des folies, je vous l'accorde, mais au moins. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'on est équipé? Allez! On va avancer tout ça. Et on va mettre des studios. Et là, je pense que tout le monde est content. Je pense que les gens sont heureux. Studio. Il reste un petit truc à construire là, mec. Ouais. Studio. Voilà. Alors, on va faire un petit rapport. Les divers rapports. Aperçu du budget, c'est la merde. Détail du budget, c'est la merde. Aperçu du locataire, bureau, restaurant. En appartement, liste des locataires, c'est bien. Infrastructure, rapport de service. Échec. Service des copies. Ah, j'ai pas. Ça, il faut. Un service de copie. Il faut un service de copie. Avis de la population. Quantité, commençons la journée avec un petit déj. C'est fait. J'ai besoin de mon café le matin. C'est l'heure du déjeuner. Je voudrais avoir un petit déj. Ça, c'est bon. Donc, un service de copie. Ça, il faut. Pour les gens qui bossent. Les travailleurs. Les vrais. Donc, service. C'est là. Non, c'est pas là. Je sais que j'ai vu ça quelque part. Je sais plus où. Ah, c'est là, non? Ah, c'est là. Service. De copie. Service de copie. Hop. C'est caché, c'est moche. Mais c'est là. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que les gens viennent s'installer. Et on va commencer à être un peu dans le vert, j'imagine, bientôt. Allez. Ah, il manque un truc. Travaille chez Centre de copie, métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qui manque? Électricité, eau. Électrique. C'est pas de ligne électrique, ça marche pas. Ah, à l'instant. Je vous ai un petit peu oublié. Il me faut un bordel. Hop. Voilà, nos stress. Ah oui, puis j'ai le truc au gaz, mais j'ai oublié de le relier. C'est nul. Ah oui, c'est bon, les relier, j'ai rien dit. Voilà. Ça, c'est bon. Vous venez d'atteindre un de prestige, un grand pas vers la gloire. Nous avons des nouvelles décorations ont été habilités. Oh, des distributeurs automatiques. Station de cirage. Oh. Hop, un petit distributeur automatique. Station de cirage. Oh, vache. Vachement bien. Ah, on peut décorer mon bordel. Des œuvres d'art. Donc, il me faut en consultant. Ah, du hard hall. Un lustre. Allez, regardez un petit peu le lustre moderne. Ah, ça pète. Bon, j'ai plus de sous. J'ai plus de fric, j'ai plus rien. J'ai plus de fric. Mais on est pas mal. Là, on est pas mal. On devrait passer en positif soon. J'ai des prêts bancaires
à honorer, et là ça me fait un peu peur, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on avance plutôt pas mal, on avance bien, je trouve, sur ce petit jeu. Ce petit jeu qui est vraiment plutôt pas mal. J'ai moins 2000, là j'ai plus de fric, là, je suis à moins 3000 par jour, c'est bon ça. Mais plus d'argent, j'ai signé un autre contrat avec la ville pour obtenir un paiement anticipé. Vous pouvez également demander un prêt en utilisant le bouton bon, ok, bah j'ai plus de sous. J'ai plus de sous, mais c'est pas grave, je suis content. J'ai un petit peu compris sur ma première partie le concept de projet Hi-Rez, mais je suis peut-être un peu laissé aller par le projet des grandeurs. Là, je suis vraiment en train de sombrer. Bon, c'est pas grave, c'était Kaz pour la découverte de Project Hi-Rez. Comme je vous disais, dans les 5€ sur Steam, alors pourquoi pas, ça a l'air d'être quand même carrément addictif. Les liens en description de la vidéo, le Facebook, le Twitter, Twitch, un Sound Gaming, partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassé, et la page Tipeee pour soutenir la chaîne toute la semaine, des vidéos news, tests de gameplay aperçus, et le samedi, la sélection de play. A très bientôt, bye tout le monde, c'était Kaz.